山。
charme. Qui m'appelle? Qui est-ce qui m'appelle? Qui est-ce qui a dit Jeanne? Ne me reconnais-tu pas? Ups, to se nepovedlo. Jděte na jistotu a užijte si povánoční slevy na Heuréce. Heuréka, váš nákupní rádce. Je reconnais l'habit de Dominique. La robe blanche et le manteau noir. Ma robe blanche, que mes frères de Paris et de Rouen ont souillée d'une telle souillure que ni la soude ni l'herbe à foulon ne suffiront à l'effacer. Frère Dominique, la bonté de Dieu y suffira, et le sang de cette fille innocente. Jeanne, ma sœur, ainsi tu m'as reconnue. Frère Dominique, nous sommes des animaux de la même laine. Et moi, je suis quelqu'un dans le troupeau qui reconnaît la voix de son conducteur. Puisque mes frères et mes fils m'ont trahi, puisque ceux qui devraient être la puissante voix du vrai se sont faits à contre-Dieu, tes accusateurs et tes bourreaux, Jeanne, puisque la parole entre ces mauvais doigts entremêlés est devenue grimoire, c'est moi-même, Dominique, moi, Dominique, qui du ciel suis descendu vers toi avec ce livre. Dominique. Frère Dominique, tout ce temps que voici, j'ai vu beaucoup de plumes à l'œuvre autour de moi. Tout cela a fait un livre. Cette voix terrible qui me questionnait, et toutes ces plumes sans relâche autour de moi, toutes ces plumes sur le parchemin qui grince, tout cela a fait un livre. Tout cela a fait un livre. Et moi, je ne sais pas lire. Le livre que je t'apporte, pour le comprendre, il n'y a pas besoin de savoir ni A ni B. Ce paquet de mots que ces limousins sur la terre ont ficelé dans le latin de Fouarre, cette procédure qu'ils ont pétrie dans le patois de Coutances, les anges, pour tous les temps, l'ont traduit dans le ciel. Lis donc, frère, au nom de Dieu pour moi, et moi, je regarde par-dessus ton épaule. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jeanne, hérétique, sorcière, relapse, ennemie de Dieu, ennemie du roi, ennemie du peuple, qu'on l'enlève, qu'on la tue, qu'on la brûle! Hérétique, sorcière, relapse, frère Dominique, tout cela, c'est Jeanne d'Arc? Est-ce vrai? Est-ce moi qui suis tout cela? Que je vénérais, ce pauvre peuple que j'aimais, leur Jeanne, leur pauvre enfant avec eux. C'est vrai qu'ils veulent la brûler, c'est vrai qu'ils veulent me brûler vive. Tu as entendu les voix du ciel? Et maintenant, écoute en bas ce qu'ils en ont fait. Écoute ce qu'ils en ont retenu. Écoute les voix de la terre. Mulier spiritum pitonis habens, anima que declina veritat magos et ariolos, et fornicata fuerit eis. Bonam, bonam,
faciem meam contraeam et interficiam meam de medio populi mei. Ces bêtes féroces se sont réunies autour de toi, la rage au cœur et l'écume au croc. Ces prêtres, ces politiques, l'ange du jugement qui tient les hautes balances. D'un soufflet, il a fait tomber de leur tête et de leurs épaules la mitre, le capuchon et le froc. Les voici, dépouillés comme des forçats, qu'ils reçoivent la coiffure qui leur est appropriée. Il faut que Jeanne, comme jadis ses sœurs dans l'arène de Rome, soit livrée aux bêtes. L'élu de Dieu, la sainte de Dieu, ce ne sont pas des prêtres, ce ne sont pas des hommes, ce sont des bêtes qui vont la juger. D'un trou. Mais alors, il n'y a personne pour présider. Si, 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 si. Qui est-ce qui se propose pour juger Jeanne d'Arc? Qui me propose pour juger Jeanne d'Arc? Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Ego nomina. Je m'appelle Cochon. Je m'appelle Cochon.
êtes-vous? Picus de Picor, prenez place à droite et à gauche et recevez vos insignes. Et maintenant, où est le greffier? C'est moi, non? They tell you to sit. They tell you to study. Stop. Don't do what they say. It's time to choose what you want. Study in English at the University of New York in Prague, where it's all about you at UNIP. Learn more at unip.cz. Alapum de disserrege nostro et fortes exercitus, eius in proprossissimam fugam versasse, radvise! Ja, reconnais-tu que c'est avec l'aide du diable très puissant, notre seigneur? Jean, reconnais-tu que c'est par l'aide du diable que tu as tout fait? Je dis non! Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle dit oui! Écrivez qu'elle a dit oui! Je vais consulter le tribunal. Pecus vid dicis. Pecus vid dicis. Abimus confitentem reum. Doctie sancti fratres, si quobis justum et equum videtur ut Ioanna filia Romae, striga morte condemnatum. Fiat voluntas regis nostri. Audisti sententia. Fica, eretica, elasa, inimica regis, et otius celeris humani. Roma!
Ce n'est pas un chien. C'est Iblis, le désespéré, qui hurle tout seul au fond de l'enfer. Hérétique. Sorcière. Sorcière. Relapse. Cruelle. C'est moi, Jeanne, qui suis tout cela. L'Église, les prêtres, tout ce qu'il y a au monde de respectable et de capable et de savant, c'est cela d'une voix qui me condamne. Explique-moi, frère Dominique, qu'est-ce que j'ai fait? Lis-moi ce qui est dans le livre. Tous ces grands hommes qui t'ont condamné, ces docteurs et ces savants, Malvenus, Jean Midi, Coupequen et Tout Mouillé, ils croient dur au diable, mais ils ne veulent pas croire à Dieu. Le diable, c'est une réalité. Les anges, c'est une bêtise. Le diable que tu détestais, il t'a aidé. Les anges que tu invoquais, ils n'ont rien fait. Et criminels des deux côtés, ils te condamnent de l'une et l'autre main. Telle est la sagesse de la Sorbonne. Tels sont ces illustres docteurs qui donne des nazardes au pape. Mais moi, la pauvre pastoure de Don Rémy, comment est-ce que je suis venue jusqu'ici? Tu y es venue par l'opération du jeu de cartes qu'un roi fou a inventé. Qu'est-ce que c'est que le jeu de cartes? On va te l'expliquer. Le jeu de cartes comprend quatre rois, quatre dames et quatre valets. Sans compter les chiffres qui sont sept. Le résultat de la partie est que le roi change de place. Ce qui était au midi va au nord. Ce qui était au levant va au couchant. Ça tourne en doré. Elle ne change pas de place. Elles sont toujours là. Faites entre leur majesté. Le roi de France. La majesté la bêtise. Le roi d'Angleterre. Sa majesté l'orgueil. Le duc de Bourgogne. Sa majesté l'avarice. Et quel est le quatrième roi? Dans toutes les parties de cartes, il y a mort. La mort. Et voici maintenant sa compagne et très fidèle épouse, celle qui partage son lit. Sa majesté la luxure. Change de place, mais les reines. Sa majesté, l'orgueil. Sa majesté, la bêtise. Sa majesté, l'avarice. Sa majesté, la luxure. Sa majesté ne change pas de place, elle reste toujours avec mais nous. Mais ceux qui jouent réellement la partie, ce ne sont pas les rois ni les reines, ce sont les valets. Faites entrer les valets. Sa grâce, le duc de Bedford. Sa grandeur, Rognon de Chartres. Guillaume de Flavie. C'est lui qui a baissé la herse derrière moi à Compiègne. Thank you.
veux dire que j'ai gagné. J'ai gagné. Je veux dire que j'ai perdu. Deuxième partie. Carte maîtresse. Je coupe. Troisième partie. Je vous livre Jeanne d'Arc, la pucelle. La sorcière. Bien le bonjour, messieurs, et à l'avantage de vous revoir. Quelles sont ces cloches dans la nuit? Les cloches qui sonnent le glas. Et qui invitent les bonnes âmes à prier pour Jeanne d'Arc. Hérétique, sorcière, cruelle, relapse. Merci, bonne cloche, mes sœurs, mes amis. Mes voix qui s'étaient tues, les voilà de nouveau qui parlent. La cloche noire et la cloche blanche. Catherine et Marguerite, je les reconnais. La Catherine qui dit des profondis, et la Marguerite bleue et blanche dans le ciel qui dit papa, maman. Comme je les écoutais jadis, à Dorémy, la Catherine et la Marguerite. Jésus, Marie, j'ai écrit ces deux noms sur ma jolie bannière bleue et blanche. Jésus, Marie, Catherine, Marguerite. Ce petit bout de femme dans les orties et les boutons d'or, si ébahie qu'elle oubliait de manger sa tartine. J'irai, j'irai, je vais, je suis allée, où est ma bonne épée? Je vais, je suis allée. C'est fait, je le tiens. J'ai pris son cheval par la bride. Je ramène mon gentil roi. Je le ramène à travers la forêt. Je le ramène à travers la France.
désormais, faut plus qu'ils soient séparés. Artemis, mon ami, vous dites une bonne chose, alors je vais vous embrasser. C'est grossier. N'avez-vous point vergogne de vous réjouir ainsi comme des païens en cette sainte veille de Noël, pendant que le roi, notre Seigneur, se rend à Reims pour y être consacré de la main des anges? Et c'est-il pas le moment de boire un petit coup, parce qu'Artemis a retrouvé Jean Raisin et que la moitié de la France sur son cœur a retrouvé l'autre moitié? Surtout qu'il fait rimant frisquet, on peut le dire, à rester tout gelé comme ça, attendre un petit coup de vin, un petit air de danse, ça ne fait de mal à personne. La forêt elle-même, pour se préparer au mystère de cette sainte nuit, s'est couvert la tête d'un voile blanc. Et vous autres, préparez vos cœurs au mystère qui va s'accomplir. Oh, Pierrot, là-haut! Est-ce que tu vois quelque chose? C'est Perron qu'on a envoyé là-haut pour voir. Je vois une petite lumière! Pierrot! Allons, mes enfants! Venez tous autour de moi et répétons tous ensemble cette belle antienne de latin tout blanc que je vous ai apprise. La terre a étendu un grand tapis de neige sur les pieds du roi, notre sire. Et nous, de la Loire jusqu'à Reims, il faut que nous étendions un grand tapis de prière. Aspiciens allonge. Vous comprenez? C'est le peuple juif qui attend le Messie comme nous, le roi, notre sire. Aspiciens allonge. Aspiciens allonge. Thank you.
CZ. Garance originality, 5letá záruka a 3 měsíce na vyzkoušení. Qui a fait cela? C'est Dieu qui a fait cela. C'est Dieu avec Jeanne. Les voix ne m'avaient pas trompé. Catherine et Marguerite, elles ne m'ont pas trompé. Jeanne, est-ce pour un roi de chair que tu as donné ton sang virginal? J'entends Marguerite dans le ciel, mélangée à l'exhalation des rossignols. Et les 12 petites étoiles à la voix de cette active sœur sacristine s'éteignent l'une après l'autre. Les pages de nuit, de sang, d'outre-mer et de pourpre se sont effeuillées sous mes doigts. Et il ne reste plus sur le parchemin virginal qu'une initiale dorée. Que c'est beau, cette Normandie toute rouge et rose, toute rouge de bonheur, toute rose d'innocence, qui se prépare à faire avec moi la Sainte Communion dans l'étincelante rosée.
que c'est beau pour Jeanne la Pucelle de monter au ciel au mois de mai. Que tu es belle, ô ma belle Normandie. Mais que dirais-tu, frère Dominique, si Marguerite et moi, nous pouvions t'expliquer notre Lorraine? Parle, Jeanne, car je sais qu'il y a des choses qu'une petite fille peut m'expliquer. Moi qui ceins de fer et de cuir, et les yeux fermés, et marcher de bonne heure dans les sentiers de la pénitence. Et que puis-je t'expliquer quand il y a encore au ciel une douzaine d'étoiles au moins qui en savent plus que moi? Explique-moi ton épée. Est-ce vrai que tu as trouvé ton épée, cette terrible épée devant laquelle se sauvaient Anglaise et Bourguignon, dans une chapelle en ruine? Non, ce n'est pas une chapelle en ruine. C'est à Don Rémy qu'on me l'a donnée. Ma bannière dans la main gauche, mon épée dans la main droite. Ah, qui m'aurait résisté? Jésus-Marie. Jésus-Marie. Qui est-ce que tu parles ainsi? Es-tu sourd? N'entends-tu pas les voix qui disent « Jeanne, 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 fille de Dieu, va, va, va !» Ah, ce n'est plus sorcière maintenant qu'elles disent, c'est mon petit nom de chrétienne, celui que j'ai reçu au baptême. Jeanne, ce n'est plus hérétique et relapse et je ne sais quoi. Et tous ces vilains noms, ces filles de Dieu, c'est beau d'être la fille de Dieu. Pas expliquer l'épée. Mais pour que tu comprennes l'épée, frère tondu, il faudrait que tu sois une petite fille, Lorraine. Je peux pas faire de toi une petite fille, Lorraine. Je peux pas te prendre la main et t'emmener avec nous pour chanter Trimazo avec Aubin et Ruffin. Écoute ce qu'ils disent. Écoute, écoute.
as-tu compris, frère Dominique? À moi, il n'y a pas eu besoin de coupe-quenne et tout mouillé pour me l'expliquer. C'est le tilleul devant la maison de mon père, comme un grand prédicateur en surplis blanc dans le clair de lune, qui m'a tout expliqué. Explique, et moi, j'écoute. Quand il fait bien froid en hiver, et que le froid et la gelée resserrent tout, et on dirait que tout est mort, et les gens sont morts de froid, et il y a de la neige et de la glace, surtout comme un drap, comme une cuirasse. Et on croit que tout est mort et que tout est fini. Mais il y a l'espérance qui est la plus forte. On croit que tout est fini? Mais alors, il y a un rouge-gorge qui se met à chanter. Petit vent venu d'on ne sait d'où qui se met à souffler. Il y a une certaine petite pluie chaude qui se met à tomber sur vous. Et alors, le temps de fermer les yeux et de compter jusqu'à 3, et tout est changé. Le temps de compter jusqu'à 4, et tout est changé. Celui qui voudrait empêcher les cerisiers de ceriser tellement que tout est plein de belles cerises. Mon père dit qu'il faudrait qu'il se lève matin de bonne heure. C'est alors que Catherine et Marguerite se mettent à parler. Jeanne, au mois de mai, monte sur son cheval de bataille. Il faudrait qu'il soit bien malin, celui qui empêcherait toute la France de partir. Les entends-tu, ces chaînes, de tous les côtés, qui éclatent et qui cassent? Ah, ces chaînes que j'ai aux mains, elles me font rire. Je ne les aurais mis toujours. On a vu ce que Jeanne peut faire avec une épée. La comprends-tu maintenant, cette épée que Saint-Michel m'a donnée? Cette épée, cette claire épée, elle ne s'appelle pas la haine, elle s'appelle l'amour.
larme pour Jeanne, une petite prière pour Jeanne, une petite pensée pour Jeanne. C'est pas pour boire ni pour manger, c'est pour aider à voir un cierge, pour illuminer la Sainte Vierge. C'est moi qui vais faire le joli cierge. Thank you.
cette grande flamme horrible. C'est cela qui va être mon vêtement de noces. L'amour qui est le plus fort.